Il n'a pas froid aux yeux et à 13 ans à peine, il affiche déjà ses ambitions. J'espère pouvoir faire des courses en monoplace et plus particulièrement en F1. C'est un peu mon but ultime. Et sûrement être champion du monde. Ce projet de carrière, Lucas Papin commence à l'écrire à Salbris, dans le Loir-et-Cher. Vainqueur en 2016 du volant assez haut, une référence dans le sport automobile, le De Sévrien a intégré cette année l'école de pilotage de Marc Berthaud, l'un des entraîneurs de l'équipe de France. Quelles sont ses qualités à Lucas ? Son attaque. Son attaque, sa qualité, qui peut être aussi son défaut. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que de temps en temps, il veut trop en faire. Mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'on peut le remettre très vite dans les rails. Au départ, tes freins n'étaient pas précis et tu accélères en plusieurs fois. Tu as vite rectifié ça, mais la chose que je te reproche ici, c'est que tu n'as pas rectifié ta trajectoire en fonction du grip de la piste. Il n'y a pas de grip, ça veut dire qu'il faut enrouler un peu plus. Technique de pilotage, préparation physique, Lucas Papin a débuté son entraînement spécifique pour la prochaine saison. Ses deux victoires au trophée de Sologne et sa troisième place au championnat de Ligue du Centre lui ont ouvert les portes du championnat de France junior. Les pilotes s'y affrontent avec le même matériel, des cartes de 28 chevaux contre 15 l'an passé, un saut dans l'inconnu. Je pense qu'au niveau vitesse, donc on l'aura. Après, c'est l'expérience en course, il va falloir qu'il acquiert très très vite, parce que je connais déjà des pilotes qui vont intégrer le championnat et ils ont déjà beaucoup plus d'expérience que lui, mais maintenant, il nous a étonné cette année, donc je ne serais pas surpris qu'il nous étonne encore. Pour financer cette saison, estimée à 30 000 euros, un clip vidéo réalisé en famille assure la promotion du natif de Saint-Rémy, près de Niort. Devenant partenaire, vous donnez une image jeune et dynamique à votre entreprise et vous m'aidez à faire de mon rêve une réalité. Le but de cette vidéo, c'est de trouver des sponsors pour faire du mécénat, car je sais très bien que mes parents n'auront jamais assez d'argent pour que je puisse monter plus haut. Donc il faut vraiment qu'on en ait et que je puisse rouler et que je leur fasse honneur. Lucas et ses parents espèrent que leur appel sera entendu, histoire de voir le pilote de Sévrien au départ de la première course de la saison, mi-mars au Mans, l'une des cinq épreuves au programme du championnat de France junior.